Ça y est, c'est écrit. Ça y est, ça fonctionne. Bonjour à tous. Alors, nous avons un peu 2 minutes de retard parce que j'ai oublié de lancer le live et on parlait d'un vide avec Adeline. C'est ma première, ça y est, indulgente. Alors, on va prendre quelques minutes, Adeline, pour voir s'il y a des personnes qui arrivent. On commence un petit peu le live. Ouais. On se donne 2-3 secondes. On n'est pas à ça très mal. On va laisser les gens arriver déjà que nous, on est un peu en retard. C'est ça, ils se sont dit, ah ça y est, elles se sont loupées. Alors, pas du tout. En tout cas, merci de votre compréhension pour mercredi. Petit décalage, il a fallu d'autres impératifs pour Adeline. On est heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur le thème « Vivre sereinement votre quotidien », vivre votre quotidien avec sérénité, voilà. Quand on est atypique, en fait, avec Adeline, on a déjà beaucoup échangé sur nos façons de vivre notre quotidien, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui était agréable pour nous, qu'est-ce qui nous facilitait parfois nos vagues émotionnelles, nos réflexions sans limite, parfois nos stress. La relation aux autres aussi, hein. On s'est posé ces questions, on a échangé personnellement sur ça. Et donc, on avait envie de vous offrir un petit peu nos outils individuels. Certains se regroupent, mais on les utilise différemment. Donc, on va vous en parler chacune notre tour. Et puis aussi, pour vous apporter de la réflexion déjà pour vous-même, découvrir peut-être des outils que vous ne connaissez pas. On vous les partagera à la fin du live dans les commentaires. Comme ça, vous aurez toutes les références s'il y a des techniques très précises, voilà, des outils très précis. Personnellement, je sais que c'est souvent un mélange d'outils que j'ai fini par en créer un pour moi, voilà. Mais ça vient de plein de choses que j'ai découvertes sur mon chemin personnel. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, au fur et à mesure du live, posez vos questions et à la fin, on revient pour répondre à chaque question individuellement. Voilà. Donc, Adeline, est-ce que tu veux commencer, toi, avec déjà un premier exercice, quelque chose que tu fais ouais. C'est toi qui commences. Alors, ouais, je vais commencer. Donc, les problèmes les plus récurrents que je rencontre dans mon quotidien d'atypique, c'est déjà la surcharge émotionnelle. En tant qu'hypersensible, tout matin, de façon parfois excessive, en tout cas, ou difficilement gérable. Je pense à un truc tout bête, mon fils adore regarder des vidéos où il y a des gens qui tombent. C'est des choses que je suis incapable de faire. Parce que quand je les vois tomber, ça me fait mal, par exemple. Il y a aussi... Ouais, mais c'est terrible. Lui, ça le fait marrer. Moi, je suis là... Ah, ah non, c'est pas possible, c'est horrible. Quand mes enfants tombent, j'ai mal. Ah ouais, c'est ça. Et tu vois, si les trucs qu'on voyait dans les vidéos gagnent, les gens tombent, et moi, je veux pas. Ça me fait pas rire en fait, ça me fait mal directement dans mon corps. Donc, voilà. Il y a aussi le fait d'être très éparpillé souvent, quand on a le cerveau qui est à 10 000 à l'heure, on a 10 000 idées, on a envie d'essayer de les rassembler, on a envie de plein de choses. Et voilà, je suis souvent très éparpillée et souvent aussi très hyperactive parce que justement, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Donc, pour éviter cette espèce d'emballement de mon cerveau, j'utilise donc divers outils. Le premier, je l'ai découvert il y a quelques années déjà, c'est la méditation. Alors, c'est une forme de méditation puisqu'il y a plein de formes de méditation. Et quand j'ai commencé à vouloir méditer, je suis passée par de la méditation guidée parce que c'était ce qui avait plus facile pour moi pour éviter justement que mon esprit reparte dans autre chose et reste pas ancré. Et j'ai utilisé une application qui est connue maintenant, il y a quand même pas mal de gens qui l'utilisent, c'est l'application Petit Bambou. Donc cette application, elle est super sympa parce qu'il y a déjà, et surtout en ce moment avec le confinement, il y a plein de programmes qui sont offerts, qui sont gratuits. Donc j'ai commencé par ça parce que j'aimais bien déjà le fait qu'il y ait des thèmes. Par exemple, il y a éviter le burn-out au travail, accueillir, la souffrance ou... Voilà, il y a des thèmes divers et variés et aussi il y avait des méditations à faire avec les enfants, par tranche d'âge. Donc ça, ça a été super sympa parce que ça m'a accompagnée dans une pratique de la méditation. C'est-à-dire qu'elles étaient entre guillemets les bonnes pratiques, notamment au niveau de la position. Parce que c'est très important quand on veut méditer que le corps il soit confortable, de trouver sa position juste en fait. Parce que si on a mal quelque part, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment retrouver du confort. Ça amène un certain alignement, une certaine stature. Et c'est progressif, en fait. À chaque niveau, vous allez débloquer entre le niveau suivant. Tant que vous n'avez pas terminé la première méditation, vous ne pouvez pas accéder à la deuxième. Donc, j'aimais bien ce côté accompagnement progressif avec des thèmes. Il y a aussi plein de choses. Il y a des poèmes. Il y a aussi de la musique, des bruits d'animaux. Donc, il y a plein de choses. Très, très variées.
Et c'est quand même assez accessible parce que c'est des on peut prendre un abonnement pour 6 mois. Donc c'est 42 euros pour 6 mois, ça fait 7 euros par mois. 7 euros, c'est le prix d'un menu quand tu manges dans une boulange, quoi. Donc je me disais que pour ce prix-là, et je l'ai fait pendant un an maintenant, c'est vrai que je m'en sers beaucoup moins. Mais la première année où je l'ai utilisé, j'ai fait sur les 600 méditations, j'en ai fait 260. Donc c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Je l'ai vraiment utilisé. Puis j'avais besoin aussi, il y a des voix qui me parlaient, d'autres pas. Enfin, il y a aussi, il faut se laisser aller avec le feeling. Hein. Mm-hmm. Comme c'est des méditations guidées, la voix des gens. Il y a des voix qui voilà, qui m'apaisaient pas ou qui ne convenaient pas. Donc j'allais pas vers ces méditations-là. Mais il y a Christophe André notamment qui propose des méditations sur cette application-là que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était un bon outil de départ quand on avait envie, parce que se mettre à la méditation tout seul comme ça, s'asseoir et essayer de, entre guillemets, de se vider la tête, alors que c'est pas vraiment ça, hein, c'est pas se vider la tête, ce n'est pas possible de toute façon. J'aimais bien le côté guidé. Voilà, donc ça c'est vraiment un outil que j'ai partagé à des amis et à ma famille qui sont pas mal utilisés aussi. Et tu m'as dit que c'était pour les enfants aussi. Et ouais, il y a des méditations par tranche d'âge. T'as 0, 3 ans, 3 ans, 6 ans, 6 ans, 10 ans. Après, au-dessus de 12 ans, il y a pour les ados aussi. Donc, il y a plein d'actions super sympas à faire avec eux. Ils font de la méditation. Par exemple, ils doivent marcher, mais de façon très, très lente. Donc, c'est de la méditation en conscience, dans le mouvement. Voilà. Donc, c'est vraiment pour accueillir une pleine conscience sur plein de choses. Et ouais, j'avais trouvé super pouvoir partager ces outils-là avec les enfants. Parce que il faut les armer aussi, entre guillemets, pour qu'ils puissent accueillir, se ressourcer. C'est bien de leur donner, de faire découvrir des outils. Ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas. Et c'est aussi un temps de partage avec les enfants qui peut être vraiment sympa à faire. Oui, puis je trouve ça très bien. Du coup, je me permets de rebondir par rapport à ça, parce que j'ai un outil aussi qui est assez proche. Moi, j'ai commencé un peu comme toi. Mais justement, moi, je n'arrivais pas à rester assise. Et je trouve que c'est intéressant qu'il y ait plusieurs propositions, par exemple pour les enfants, mais même pour les adultes. Par exemple, moi, j'ai pas appris du tout à être dans cette position de, enfin, cette relation à la méditation en méditant assise. Moi, j'ai découvert la méditation, tout le monde peut pas. La marche méditative, en fait. Parce que dès que je m'assois et que, en fait, je reste dans cette position, j'arrive à être à l'écoute, mais moi, je pars, c'est pas mentalement, mais je pars, j'ai plein d'informations qui me viennent de l'extérieur, moi. C'était ça ma sensation. J'entendais plein de messages et j'étais attirée par plein de choses. Et du coup, en marchant, pour moi, c'était un vrai outil. Et du coup, pour les enfants, je trouve ça intéressant aussi qu'on leur propose pour qu'ils trouvent suivant leur nature à découvrir la méditation. C'est vrai que le fait d'être assise, s'il y a des jours où c'est possible, où je suis capable de rester statique et justement voilà, de rester assise, ancrée, etc. Et il y a des jours où c'est impossible. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, donc ça fait 2 ans que je pratique le tai chi. Donc, le tai chi, c'est un art énergétique japonais. Et pour moi, c'est une forme de méditation dans le mouvement. Parce que clairement, comme c'est des gestes précis, il faut accorder sa respiration, le centre de l'énergie au niveau du chi, justement, qui est en dessous du nombril. Et du coup, tout ça, c'est quand on se ramène au corps, en fait, c'est vrai, quand on a besoin de ce mouvement, pour moi, c'est une forme de méditation dans le mouvement. Et les jours où je ne suis pas capable de faire cette position statique avec, par exemple, une méditation classique petit bambou, je vais clairement aller vers le tai chi parce que j'aurais besoin de bouger, en fait. Donc ça, c'est vrai que suivant les jours, je vais utiliser les outils ou l'un ou l'autre. Du coup, voilà, je continue un peu sur ma partie. Moi, je rejoins aussi dans ça au début. Moi, ce qui a été, je te rejoins vraiment beaucoup. Moi, ce qui se passait, c'est que je ressentais beaucoup de choses. Je peux pas dire que je me suis sentie envahie par mes émotions, mais ce qui me gênait justement, et aujourd'hui, je peux vraiment le nommer, c'est de pas savoir quoi en faire, moi, de ces émotions. Voilà. Donc, j'ai beaucoup découvert par les fleurs de Bac au début, tous ces outils-là, la communication non-violente. Mais comment je suis revenue à moi, c'était justement grâce à la communication non-violente. C'était d'abord une écoute de qu'est-ce qui se passait dans mon corps et avec mes émotions, mettre des mots dessus. En fait, quand j'ai découvert la communication non-violente, j'étais vraiment... je me suis dit, génial, je peux enfin mettre des mots sur tout ce que je ressens. Donc ça, ça a été... Et du coup, ça rejoint l'introspection. Donc, moi, je fais beaucoup de travail d'écoute de ce qui se passe en moi. Comme tu m'as dit, ça rejoint la méditation en soi. Mais du coup, moi, je suis passée par un autre biais. Et je prends beaucoup de temps à... Je ressens, OK, qu'est-ce qui se passe dans ma tête et comment je peux le nommer, en fait. Je fais toujours ce lien-là. Et puis, quand je l'ai nommé, je reviens dans ce que je ressens. Et puis ensuite, ainsi de suite. Ça fait une sorte de boucle tout le temps. Et j'écoute tout le temps mon corps. En fait, c'est mon corps qui est mon guide.
c'est tout ce qui me dit, qui va, voilà. Je prends le temps le matin, comme je disais, on en parlait. Moi, je prends le temps le matin toujours. Alors maintenant, j'ai vraiment une discipline. Hein. Avant, c'était petit à petit, ça a été au début, hein, ça fait 20 ans. Donc, c'était des petites gouttes, c'était des petits outils, c'était des petites choses. Et puis maintenant, je le fais tous les matins. Je prends un temps, en fait, je me réveille toujours avant mes enfants. C'est des fois 10 minutes. J'écoute mon corps après le réveil, je digère tout ce qui s'est passé dans mes rêves et tout ça. Et puis après j'écris, mais ça je vous en parlerai plus tard. Donc je prends un temps d'écoute du corps et je le refais le soir. C'est un rituel qui s'est mis en place quand j'ai eu mes enfants. Je sais pas, instinctivement moi je pouvais pas laisser mes enfants tout seuls pour s'endormir, pour leurs besoins, pour X raisons, ce que j'ai pu comprendre pour le besoin des enfants aussi. Et en fait j'y ai découvert vraiment un atout pour moi, c'est que déjà c'est pas stressant, mes enfants s'endormaient et puis moi j'avais un temps pour couper entre mon rôle de maman et après me retrouver dans mon espace à moi. Donc j'avais un quart d'heure à peu près, 20 minutes le temps qu'ils s'endorment, allongée dans le noir à côté d'eux. Et en fait j'ai pris l'habitude d'écouter à nouveau le bilan de ma journée corporelle, qu'est-ce qui se passe, tiens j'ai mal là, tiens j'ai vécu cet événement, c'était pas agréable, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant pour moi, et ainsi de suite. Donc vraiment une pratique d'écoute de soi comme en méditation, hein. Ça tu m'as validé, Lynn. Ouais. Mais pour moi dans ma conscience c'était vraiment écouter tout ce qui se passait dans mon corps tout le temps. Et puis rien en faire spécialement, écouter, faire un bilan, une analyse positive de tout et même des choses inconfortables. Pour moi ça devait être toujours j'accueille avec positivité même ce qui est inconfortable dans mon corps. Voilà. Donc c'est là qu'on voit que tu es déjà bien connectée à ton corps. Alors que moi, si je ne passe pas, j'ai tendance à faire, en fait, un coup, si je suis trop dans l'émotionnel, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller me réfugier, entre guillemets, dans le mental ou dans le corporel. Voilà, c'est ça, entre guillemets. Mon problème, c'est que pour couper de l'un à l'autre, alors que pour l'instant, l'équilibre, il n'est pas forcément atteint, j'essaie, mais je vais justement aller chercher des outils qui me permettent de me reconnecter en corporel ou en énergétique aussi. Donc, en corporel, ça peut être la méditation. Je pense notamment à ce qu'on appelle le scan corporel. Ça, c'est proposé aussi dans Petit Bambou. Aller dans une partie, on commence par, par exemple, les deux pieds, puis on remonte au niveau des genoux, etc. Et on scanne comme ça tout le corps. Ça, c'est un outil qui me permettait d'être à l'écoute aussi, de voir, ah, ici, il y a une douleur. Là, il se passe quelque chose. Ah, mon corps, il me dit quelque chose à cet endroit-là. Donc, ça peut être plein de choses. Hein. Donc, après, il faut aller justement en introspection. Et en énergétique aussi, j'aimais bien parce que je sens bien au niveau des chakras, hein, donc nos points d'énergie. J'aimais bien faire des méditations guidées aussi qui sont un petit peu là-dessus. C'est notamment avec les anges, avec Dorine Vertu. Je mettrai en lien deux méditations guidées. Il y en a une du matin, une du soir. Donc j'aimais bien aussi passer par là. Il y a toute une partie de je suis dans telle zone de mon corps, je vois telle couleur, il se passe ça, etc. J'aimais bien aussi revenir à ça comme outil. Je trouvais que c'était pas mal. Alors, moi, j'ai envie d'être claire aussi avec les gens, dans le sens où moi, j'ai commencé mon parcours, ma prise de conscience personnelle, je veux dire comme ça, hein, il y a 20 ans. Et je pense que ça fait une différence, parce que, dans le sens où je suis effectivement dans la pratique avec mon corps. Moi, je suis passée au début, si je prends vraiment le début, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire qu'au début, j'utilisais plein d'outils pour revenir à mon corps. Voilà. Aujourd'hui, je suis plus dans un bilan de ce que j'ai mis en place. Si je reconnais ce que je vous partage, c'est un peu le bilan de toutes ces années. Et moi, en fait, dès que je découvrais un outil, ça, c'est clair, que ce soit la respiration, que ce soit les chakras, que ce soit les anges, que ce soit les dragons, les fées, je peux aller loin, que ce soit les fleurs de Bach. Hein, moi, quand j'ai découvert les fleurs de Bach, après. Je prenais le temps quand j'allais voir ma conseillère à l'époque. Elle me donnait quelques fleurs, mais en fait, je les prenais, mais souvent, je prenais du temps à les écouter, à voir ce que ça me faisait dans mon corps, ces fleurs, à chaque fois. Et c'était ça qui m'importait. Je pense que c'est ma sensibilité, hein, par rapport à ma pratique. Maintenant, le corps, c'est tellement important. Mais voilà. Et aujourd'hui, moi, je pratique parce que c'est plus fluide, tout ça. C'est devenu une pratique propre, parce que ça fait des années que je le pratique. Ça, c'est important. Il faut du temps aussi pour après que tout se relie, qu'on trouve notre propre... On monte notre mayonnaise d'écoute de soi, c'est ça. Un peu comme ça. C'est ça. Faut trouver les outils qui te parlent, qui sont adaptés à ta sensibilité et que tu arrives à mettre en pratique facilement. Tout à fait. Et voilà. Et ça prend du temps. Donc, c'est vrai que tu as déjà cette certaine gymnastique. Moi, j'ai pas encore mis à ma sauce. Donc, c'est pour ça que je propose des outils, entre guillemets, qui sont déjà tout prêts. Après, chacun ira piocher et adapter suivant sa sensibilité et ses besoins et ses envies. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir nos deux parcours. C'est ça. Et puis, du coup, le temps. Je pense que pour nous,
hypersensible, avec une douance, notre cerveau qui va vite, offrons-nous du temps. Offrons-nous du temps pour intégrer des outils aussi. Quand on en trouve un, pratiquons-le, venons dans le corps et prenons le temps de ça. Pas en accumuler trop aussi. Enfin, nous, on vous offre pour vous dire qu'il y a des solutions, mais prenez du temps. Enfin, de ce qu'on échange là-dedans, je trouve qu'il y a ça à mettre en avant, c'est offrez-vous aussi d'aller à fond dans cette pratique, dans votre corps. Pas juste la voir mentalement et dire, allez, on va dans le corps. Ouais, c'est indispensable. Si tu vas pas dans le corps et que tu restes dans le mental, ben voilà. Comme on disait, le but aussi, c'est de reconnecter tout ça. Oui. Que ce soit le mental, le corporel ou l'émotionnel, il faut que ce soit une unité. Alors, j'ai Laetitia qui me dit, le son n'est pas très bon, Stéphanie. Ah mince. Et là, c'est mieux, Laetitia. Est-ce que c'est le son d'Adeline ou c'est le mien qui n'est pas très bon? C'est vrai qu'on n'a pas eu de retour avant. Moi, et Laetitia, elle pose aussi la question, de préférence avant de se lever, la méditation ou peu importe. Quand tu le sens. Quand tu peux aussi. Voilà. Ouais, tu te sens bien et c'est ok, tu es prête à t'y mettre. Tu es bien de le faire. Voilà. C'est ça. Allez. Ouais, c'est voilà. Si tu sens que tu es dispo et que tu as envie, c'est le moment de te lancer. Si tu dis, si tu t'imposes des choses et que finalement tu n'arrives pas à t'y tenir, ça ne fonctionne pas non plus. C'est ça. On va continuer. Je vais voir ce que Laetitia nous dit pour le son. C'est le tien, Stéphanie. Ah mince, ouais, j'ai pas d'écouteur. Moi. Moi j'ai les écouteurs parce que comme il pleut, j'avais peur que de pas, enfin que ça aille pas, que ça fasse trop de bruit. Sur l'ordinateur parce que c'est loin. Comme ça part de mon ordinateur aujourd'hui, peut-être que c'est ça. Ce que je fais, c'est qu'Adine, je te laisse parler peut-être d'un autre outil pour que je vais chercher mes écouteurs et je reviens. Ça marche. En attendant, je vais en profiter pour parler des fleurs de Bac puisque les fleurs de Bac c'est aussi ma spécialité professionnelle aujourd'hui. Donc les fleurs de Bac, je suis actuellement conseillère en fleurs de Bac. J'ai une certification. Et je suis en cours d'agrément par le centre Bac. Donc, ce qui est super avec les fleurs de Bac, c'est justement c'est que c'est une méthode qui est naturelle, qui est globale, qui n'a pas d'effet secondaire. Donc, c'est le docteur Bac qui a découvert 38 élixirs floraux pour 38 états émotionnels. Et en tant qu'hypersensible, donc c'est la méthode que j'utilise le plus. Alors, ça demande bien sûr aussi une introspection, puisqu'il faut se demander qu'est-ce que je ressens ici et maintenant. Donc, voilà, c'est quelque chose que je fais maintenant tous les jours. Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'aurais besoin aujourd'hui? Pour en voir un petit peu plus sur ma page professionnelle, hein, ou même sur la page du centre Bac qui explique un petit peu la modalité des fleurs. Mais c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien maintenant, les fleurs, pour harmoniser tout ce qui peut arriver. Donc là, j'ai demandé à Stéphanie qu'on déplace le live parce que j'ai eu ma maman qui a été hospitalisée. Et ça a été plein d'émotions qui se sont surgies, plein de blessures du passé. Bref, j'ai été submergée par tout ça. Bon, une fois que j'avais accueilli les larmes, la peur, etc., et justement, j'ai utilisé les fleurs pour me dire, bon, qu'est-ce que tu ressens? Déjà, il y a de la peur. Il y avait la peur qu'elle meure, tout simplement. Donc, son état s'aggrave et que je ne la revois pas, surtout dans mes conditions actuelles. Donc, il y a des fleurs de peur pour les siens. Il y avait de la tristesse, voilà, donc j'ai traité, entre guillemets, parce que traiter c'est un bien gros mot, mais j'ai accueilli ces émotions et avec les fleurs, je les ai harmonisées. Donc j'accompagne moi-même, déjà, c'est par moi que je commence, en tout cas pour les fleurs. Au départ, c'était vraiment un outil pour moi. Et je accompagne aussi des amis, des clients, des membres de ma famille, voilà, ceux qui sentent qu'ils ont besoin. J'ai proposé aussi à des professionnels de santé, qui sont en première ligne en ce moment, de les accompagner. J'ai proposé des accompagnements gratuits. J'aide les gens justement, mais il y a un vrai travail d'introspection qui est demandé. Les fleurs de Bac, on me dit souvent, oh, c'est des gouttes, c'est un peu magique. Il n'y a rien de magique dans les fleurs de Bac. Ça demande aussi un vrai travail d'introspection, clairement. Parce que si on ne se pose pas les bonnes questions de qu'est-ce qu'on ressent, vous allez peut-être me dire, je ressens ça, ou je suis en colère. Finalement, ce n'est pas de la colère, c'est peut-être plus de la peur. Souvent, les émotions, les gens, ils ont du mal en fait, à les discerner. C'est là que je me rends compte souvent en entretien, que quand je creuse, ils me disent au départ, par exemple, je suis anxieuse. J'ai des angoisses et quand tu creuses, en fait, tu creuses derrière, mais en fait, c'est pas des angoisses, ça peut être des restes de tristesse, voilà. Donc, c'est vraiment un vrai travail d'introspection, en tout cas les fleurs. Voilà. Aujourd'hui, c'est mon quotidien. Les fleurs, Stéphanie en a parlé avant, mais pour moi, c'est vraiment un super outil. Moi, j'ai l'avantage d'avoir aussi les 38 fleurs à ma disposition. Moi, pour mon hypersensibilité, elles m'ont beaucoup accompagnée. Alors, je sais pas si Laetitia, c'est mieux le son. Je veux bien que tu me fasses un petit pouce pour me dire. Si avec les écouteurs, c'est mieux, on entend mieux ce que je dis.
En tout cas, moi, elle m'a accompagnée depuis, elle m'accompagne depuis 20 ans, hein, depuis le début. Ça a été ma première, entre guillemets, thérapie. Ma première séance thérapeutique, c'était avec une conseillère Fleur de Bac. Voilà. Donc, voilà. C'est un super outil, ça aide beaucoup au quotidien pour plein de choses. Est-ce que tu as fini avec les fleurs? Tu voulais dire d'autres choses? Oui, pour les fleurs, non, je ne vais pas aller plus loin. Ça va prendre la main. Du coup, moi, je vais parler aussi d'un outil, là, que je parlais un petit peu tout à l'heure, c'est d'écrire. Alors, je n'ai jamais eu de carnet intime quand j'étais petite fille ou adolescente, je n'ai jamais eu ça. Et c'est pas si vieux que ça, par contre, que j'utilise cet outil, parce que finalement, avant, j'allais beaucoup en consultation, j'ai fait par contre beaucoup de séances d'accompagnement, d'écoute. Moi, j'avais besoin qu'on m'écoute, le verbal est vraiment mon outil de libération, et donc, je crois que j'allais au moins toutes les trois semaines, j'allais voir ma thérapeute. J'ai évolué au fur et à mesure des années avec les outils thérapeutiques, corporels ou non, mais j'avais besoin de nommer. Voilà. Donc, j'étais beaucoup accompagnée, puis petit à petit, j'ai senti que j'avais moins besoin, et puis que j'écrivais beaucoup, et vraiment, là où ça a explosé, l'écriture, c'est il y a 2 ans, suite à ma séparation, où là, j'ai ouvert un carnet, et en fait, il n'y a pas un jour où je n'écris pas, en fait. Je prends le montant d'écoute du corps, et derrière, je concrétise, en fait, je matérialise. Pour moi, c'est comme si je disais d'écrire. C'est pas mon langage le plus facile, mais au quotidien, j'ai pas toujours quelqu'un pour m'écouter, raconter mes histoires, et comme il y en a 1 million toutes les secondes d'émotions, mon carnet était un cadeau. Je l'utilise beaucoup dans les accompagnements maintenant. J'invite vraiment les gens qui viennent me voir pour des accompagnements à avoir leur carnet à la maison. Parce qu'entre 2 séances, pareil, les gens ne viennent pas tous les jours. Et honnêtement, c'est tous les jours, il se passe quelque chose. Je sais pas pour toi, Aline. Et pas que parce que je suis au potentiel ou hypersensible, je pense que c'est pour tout le monde, on vit tous les jours des choses fortes. En tout cas, ce petit carnet avec mon stylo, moi mon plaisir c'est que chaque jour je change de couleur et je m'achète toujours des jolis carnets parce que c'est vraiment, alors moi je suis sensible à la beauté, hein, donc un joli carnet, un beau stylo, c'est comme un petit cadeau, c'est mon espace intime. De sécurité aussi, parce que même mes enfants, ils n'ont pas le droit de les regarder, ces carnets. Et clairement, si un jour quelqu'un dans ma vie ouvrait ce carnet alors que je lui ai prévenu qu'il fallait pas l'ouvrir, je serais très fâchée et je perdrais confiance. Parce que et je le nomme tout le temps. Quand les gens voient mes carnets, je dis ça, c'est à moi. Et je suis avec fermeté, l'amour, mais fermeté. Et mes enfants n'ont pas le droit de les ouvrir. Je me commence à mettre tout ce que je veux dedans. Même les choses qui me paraissent horribles, que je pourrais penser. Peu importe. Parce qu'on a le droit de les exprimer. Et c'est vraiment un outil libérateur. C'est parce que même devant des fois une thérapeute, on n'ose pas toujours tout dire. Des fois, on peut être gêné. Le carnet, c'est vraiment un carnet intime. On peut dire tout ce qu'on veut, les méchancetés, des gens qu'on adore, mais on balance tout ce qui est à libérer parce que ça nous appartient. Parce que ça nous appartient. C'est les colères contenues ou les émotions contenues. Donc moi, j'ai aucun souci. Et puis, j'y fais des dessins des fois. J'y mets mes phrases, mes croyances. Je mets des phrases pour enlever les croyances avec des phrases positives. Je fais plein de choses. Je suis une spécialiste du carnet. Clairement, je suis devenue une spécialiste puisque j'ai aussi les bullet journal pour ma créativité aussi. Comme toi, j'ai des questions par rapport à ta façon justement d'appréhender ce carnet. Est-ce que tu as une routine dans le sens, par exemple, est-ce que tu as aujourd'hui, tu te poses toujours une question par exemple, à laquelle tu réponds? Est-ce que tu as une forme ou c'est juste, ça arrive et ça arrive? Alors, au début, alors en fait, je me suis fait. J'ai fait tout. Alors, moi, la chance, enfin, je sais pas comment le dire. Parce que c'est tellement une habitude que j'arrive pas à y mettre des mots très justes ou très clairs. C'est que moi, je n'aime pas le formatage. Je suis une anti-forme. En fait, c'est vrai. Je me rends compte. Si tu me dis faut faire comme ça, je vais par nature faire autrement. Voilà. Mais en fait, ça m'a apporté beaucoup de richesse dans ma vie. C'est que même si mon mental disait, ouais, t'es pas sûr, je suis pas sûr que c'est bien. Moi, je faisais comme je le sentais. Donc, parfois, c'était une carte que je tirais. Je faisais une carte d'introspection. Et du coup, je notais au début sur mon carnet ce que j'en ressentais de cette carte. Puis après, des fois, il y a des matins, je me lève, c'est un rêve. Oh, ben, tiens, j'ai rêvé de ça, gna gna, et blablabla. Et puis, du coup, je laisse, par contre, déballer. Hein. Je peux écrire 5-6 pages, en fait. Hein. Donc, j'ai pas le carnet là, mais c'est ces formats-là. Et j'écris. Et le fait d'écrire, c'est comme un déversoir de tout ce qui se passe en moi, de tout ce qui est trop. Et en fait, en écrivant, c'est un peu comme quand je parle. Les gens qui me connaissent, ils savent que je parle beaucoup.
Mais c'est pas pour parler beaucoup, c'est parce que tout vient en même temps et c'est une façon de synthétiser. C'est ma méthode pour synthétiser et pour créer. Donc, je laisse venir. En fait, je suis vraiment dans la confiance et j'écris, je laisse venir. Et il y a des matins, ça va être ma fille a dit ça, ça m'a blessée et ça m'a rappelé ci et gna gna et voilà. En fait, je raconte mon histoire de intérieure, en fait, c'est ça. J'ai un peu cette sensation, si je le synthétise, c'est ça. Je raconte mon histoire intérieure du moment, voilà. Et je le fais quand j'ai le temps. Et des fois, maintenant, ça arrive même que je dis aux gens, ah, là, je dois vous laisser. Il me faut que je me retrouve avec moi-même, j'ai besoin de noter un truc. Mais en fait, c'est comme un besoin. Hop, j'ai pas besoin de le dire c'est à quelqu'un. C'est devenu un besoin. Ouais, c'est devenu un compagnon un peu, tu vois, pour synthétiser tout ce que j'ai dans la tête et mes carnets, bullet journal pour ma créativité. En fait, quand j'ai découvert de noter, en tout cas pour moi, ça a vraiment classifié au niveau de mon cerveau plein de choses. Et du coup, maintenant j'ai beaucoup de carnets, alors je resynthétise tout ça, je regroupe, mais j'ai mon carnet pro, mon carnet personnel. Et là, il y a ma vie personnelle et ma vie pro, et je mets tous les trucs comme ça. Tu sépares. Et même mes intentions sur mes carnets pro, il y a mes intentions personnelles, il y a mes intentions, il y a les idées qui viennent, et voilà. Bah oui, parce que j'ai beaucoup, enfin moi je sais pas, j'ai beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'infos qui viennent, et j'ai besoin. Est-ce que tu relis des fois ces carnets? Ça arrive ou pas du tout? Ouais. En fait, en général, j'ai un rituel tous les ans, donc moi je suis pas du tout sur la base de l'année classique janvier. Je suis pas une, je symbolise pas, c'est beaucoup, alors. Je sais pas si ça vient de mon anniversaire, mais j'ai vu qu'au niveau des saisons, il y avait quelque chose, en tout cas. Moi, c'est beaucoup l'été. L'été, au mois de juillet, juin, juillet, août, c'est là où je fais la bascule d'une nouvelle année, souvent. Voilà. D'accord. C'est ça que je suis plus sur les saisons. En fait, c'est lié avec les énergies des saisons. J'ai découvert ça. Et là, je fais un bilan. J'ai toujours une journée où je fais le bilan de l'année, je relis mon carnet, voilà, et je repars la suite de mon carnet, si je l'ai pas fini, sur la nouvelle année. Et ça, comme c'est devenu une habitude, mon esprit, j'ai un jour à moi, en fait, sur ça. C'est un bilan de l'année. D'accord, okay. Voilà, j'ai mes petits rituels de bilan, et voilà. Pour célébrer tout ce que j'ai fait, et c'est ce que j'ai à faire évoluer. Voilà. J'ai fait un grand morceau sur le livre. L'écriture, mais je me rends compte que ça aide beaucoup. Je vois, là, j'ai proposé une détox, et les gens m'ont fait un bon retour sur le petit carnet. Pas facile, au début, parce qu'on n'a pas l'habitude d'écrire. Mais en fait, ça fait du bien, en fait, de pouvoir écrire. Ça ramène à soi, c'est comme si on se sent ça. Voilà. Moi aussi, j'ai un son qui n'est pas bon, là, Stéphanie, par contre. Ah. Tu peux regarder au niveau de ta prise, de ton micro. Là, c'est meilleur? Ouais, ça crépitait. Ouais, ah. Ça crépitait un peu. Donc, je pense que là, c'est un peu mieux. Voilà. OK. Et là, c'est mieux comme ça? Voilà. Ouais, c'est bon, là, je t'entends bien. Oh, super. Ça marche. Comme je bouge, moi aussi, en parlant. Je dois... Ça bouge ça. Ouais, c'est ça bouge pro. Je vais rester figée, ouais. Ce n'est pas possible. L'italienne en moi ne peut pas. Je comprends. Ça marche, donc les carnets pour toi. Okay. Ouais, les carnets. Et toi, du coup? Je vais switcher sur moi. Alors, tout ce qui est, donc justement, pour ramener quand j'ai mon émotionnel ou mon mental qui est en ébullition. Ce que je fais, c'est qu'il va falloir que je me concentre sur quelque chose de précis. Dans l'idéal, il faut que ça allie mon corps et mon mental. C'est-à-dire, un truc que j'adore faire notamment, c'est chanter. J'ai repris la chorale il y a 2 ans. Je n'avais pas chanté depuis le collège, hein, donc ça faisait très longtemps. Et je suis allée en plus dans une chorale assez haut niveau, hein, puisque je suis allée dans un chœur classique. Et je me rends compte déjà que le chant, c'est quelque chose qui me fait énormément bien. C'est une forme d'exutoire pour moi. Et que ça fait travailler aussi une partie de mon corps qui est très, très souvent tendue. C'est la partie du diaphragme. C'est un peu l'endroit en dessous des... Voilà, c'est le muscle en dessous des poumons. Et souvent, quand c'est tendu là, qu'on a retenu beaucoup de choses, ça devient très dur. Et de toute façon, si le diaphragme il est bloqué, c'est pas possible de chanter. Il n'y a rien qui va sortir. On a besoin d'avoir une amplitude. Donc, je vous mettrai aussi en lien des exercices d'échauffement de la voix. Donc, ça fait travailler justement toute la partie diaphragme, la partie du larynx. Ça permet vraiment de rouvrir toute la partie thoracique. Et je trouve que le chant, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup apporté. Déjà parce qu'il y a une vraie place à prendre quand on change dans son corps. C'est super important.
Il y a cette partie, mais il faut chanter fort, placer sa voix, prendre sa place, clairement. Et le chant, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Après, j'aime bien aussi chanter sous la douche, hein, clairement, mettre la musique à fond et chanter des chansons que j'adore avec une playlist, ça me convient aussi. Dans la voiture à fond. Mais disons que c'était... Exact. D'ailleurs, tu vois les gens qui chantent en voiture, c'est toujours super drôle, mais moi, j'aime bien voilà, chanter, même quand il y a du monde, hein. Ça, c'est pas quelque chose qui me dérange, j'aime bien chanter. C'est vrai que ça a côté un peu exutoire pour moi, le chant. Donc, j'ai été ravie de reprendre ces cours de chant, entre guillemets, et retrouver une unité. Quand on a chanté, l'an dernier, on a chanté Carmina Burana, on a chanté à Divonne, on est aussi allé à Genève et tout, dans des salles sublimes, à Montreux aussi, à l'Auditorium Stravinsky. On était plus de 190 choristes. Et ça a été d'abord un grand moment d'émotion pour moi, parce que quand la musique a commencé avec l'orchestre, j'ai eu des frissons partout, les larmes qui montent. Donc là, on se dit, c'est pas que le moment que le diaphragme, il bloque. C'est un moment où il faut se reprendre. Parce que là, quand il faut chanter, il faut y aller. Hein. C'est pas le moment d'arrêter. Et vraiment, le chant, ouais, c'est quelque chose qui m'a permis pas mal de retrouver, en tout cas, de la souplesse au niveau de la partie respiratoire. Tu parlais de la respiration tout à l'heure. Et la respiration, c'est la clé d'énormément de choses. Bon, les émotions. Plexus solaire. Pour les émotions, le chant. Quand on contient les émotions, hein, c'est le plexus. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, tout de suite. Tu sens tout de suite la boule, tu sais, et tu dis « Ah, il y a moins de capacité respiratoire !» Donc, voilà. Moi, je le fais souvent quand je chante. J'aime bien passer par des exercices de mise en voix. Ouais. Ben, moi, je chante, en fait, j'ai découvert que quand je chante, c'était quand je suis en colère, mais que comme il y a une partie de moi qui ne veut pas déverser, je chante des chansons qui vont aider, en tout cas, au niveau de l'expression corporelle et de l'ouverture de tout, à être dans cette force-là. Je dépasse mes limites, je m'autorise à aller à exprimer tout ça, donc voilà. Ah, mais je comprends. Ouais. Le chant, ouais. Voilà, le chant, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'apporte aussi beaucoup. Donc, j'ai redécouvert récemment, mais. Ben, pareil, dans une technique corporelle, pour moi, il y a la danse aussi. Alors, moi, je danse depuis toujours. Hein. J'ai commencé la gymnastique, j'avais 6 ans. Mais la danse, c'est vraiment quelque chose qui me soulage et que j'ai retrouvé de façon intuitive, justement, récemment. En fait, notre corps, il a besoin qu'on se libère. En fait, quand on ressent plein de choses, il a besoin d'être en mouvement aussi pour pouvoir faire circuler. On n'est pas obligé d'être que dans le mental à trouver des solutions introspectives. Le fait de faire une activité, un mouvement, bah, ça nous permet aussi d'aller ressentir et libérer des choses. Donc moi, la danse, j'aime vraiment beaucoup. On danse beaucoup à la maison, les enfants. Je les fais danser tout le temps. Quand je vois qu'ils ont des tensions aussi, ou qu'il y a des émotions qui ne veulent pas s'exprimer, je les fais bouger en fait. Quand ils n'arrivent pas, je vois qu'il y a une surcharge. Je repasse par le corps. Voilà. Bah, je ne sais pas comment tu le vois, toi, Adeline, mais pour moi, aujourd'hui, toutes ces techniques, toutes sont riches. Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'elles sont toutes là pour nous aider à revenir à la conscience de nous-mêmes. Après, ça peut devenir une passion, un métier, tout ça. Hein, attention, comment on l'applique dans notre vie, peu importe. Mais moi, pour moi, tous ces outils, et j'en ai plein, m'ont aidé à revenir à moi et à faire vivre toutes les parties de mon corps, en fait, et de mon être. Que tout fonctionne en harmonie. Voilà. Donc, c'est des outils d'introspection incroyables, qu'on soit chanteur, danseur, même faire du pain. Hein. Quand on travaille les mains et on fabrique de la pâte, si on travaille en pleine conscience, comme on dit beaucoup maintenant, hein, en pleine présence, ben, on peut aller sentir plein de choses en nous et on peut prendre plein de conscience de nous-mêmes, en fait. Voilà. Tu parles de faire du pain, je vais rebondir là-dessus parce que moi, ce que j'aime, c'est jardiner. En fait. Ouais. Ça, je crois que c'est un des trucs qui me détend le plus. Ouais. Dans le sens où tu es obligé quand même d'être dans le mental parce que souvent, il faut quand même avoir des gestes précis quand tu fais du repiquage ou que tu désherbes autour de... Voilà, il faut quand même être présent dans ce que tu fais, conscient. Ça demande aussi donc, de la motricité fine, souvent. Donc voilà, c'est important pour moi d'être concentré. Et le fait aussi donc, d'être placé dans mon corps, parce que si tu te positionnes mal et que tu es mal... ancré, pas droit, que tu te tiens comme une patate, entre guillemets, tu vas te faire mal, clairement. Au bout de 4 heures que tu désherbes, si tu t'es pas bien placé au niveau corporel, ça a vraiment un impact derrière, tu vas le sentir. Et j'aime aussi le fait que quand tu as le contact à la terre, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte du réconfort. C'est comme faire des câlins aux arbres, ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Bon, souvent les gens me regardent bizarrement, mais tant pis. J'ai ce contact à la... On en parle de plus en plus, heureusement, c'est vrai, mais ça me voilà, c'est vraiment quelque chose qui me permet de tout relier finalement, cette activité de jardinage, du mental, de l'émotionnel, du corporel, de la motricité. Voilà, il y a un petit peu de tout et j'aime beaucoup faire ça. Un peu comme le piano aussi. Où je suis obligée le piano, c'est un peu différent dans le sens où je suis obligée de me concentrer parce que tu peux pas jouer une partition si t'es pas dans le mental, mais aussi dans le corporel.
Donc là, il y a les deux. Et si tu veux jouer de la musique, il faut lier l'émotionnel. Tu vois, c'est ces deux activités-là, je trouve, qui arrivent le plus à me relier, à faire cette harmonie entre mon mental, mon émotionnel et mon corps. Ben c'est sûr que les mains, enfin en tout cas quand je t'entends, moi je fais un million de choses avec mes mains. Alors je suis coiffeuse à la base, donc j'ai choisi un métier manuel. Et vraiment, je couds, je peins, là pendant le confinement, mais un truc de fou quoi. J'ai adoré avoir du temps pour faire plein de choses, faire à manger avec les enfants, faire les pains justement, et pas parce que je fais mon pain, mais parce que j'ai le temps de le faire. Et en fait, c'est pas le faire pour le faire, c'est le plaisir de dire « ah, je vais mettre mes mains dedans ». Un truc fou, c'est que je déteste repasser. Clairement, je repasse pas mes affaires. Par contre... Ah si. Alors, et ben justement, je suis pas très fan de repassage non plus. Moi, je n'aime pas le repassage. Donne-moi un truc pour aimer ça. Je te dis, je repasse pas. Mais quand je repasse, c'est une activité manuelle, et c'est ces moments-là, des fois, où j'ai eu plein de prises de conscience. Parce que c'est un truc qu'on fait, je faisais machinalement tellement j'aimais pas. Ouais. Mais en fait, dans mon corps, le fait de bouger, de repasser, de faire des choses de mes mains. Et ça, on le sait aussi hein, chez les enfants. Aujourd'hui, on sait en neurosciences que c'est par les mains qu'on apprend, en fait. On n'apprend pas par là. C'est les mains et tout notre système sensoriel qui fait qu'on crée des connexions. Et après, on va y mettre un format, un chiffre. Maria Montessori est une spécialiste. Hein, on en parlait tout à l'heure avec toi, Adeline. Mais ouais. Ça, elle a bien compris que l'enfant, il va d'abord faire. Parce qu'il va faire, il va toucher une lettre. Il dit, ah, mais elle sert à quoi, cette lettre? Et là, il va vouloir comprendre la forme, le son, en fait. Et là, on intègre vraiment. Et moi, j'adore, je couds, je peins. Alors, jardiner, c'est pas mon truc pour moi, mais c'est vraiment fabriquer des choses, peindre. Là, je suis beaucoup dans la peinture, je fais de l'aquarelle, de la pâte à modeler. Voilà. J'aime beaucoup faire ça et je te rejoins là-dessus. C'est mon moment où tout est léger et centré. C'est ta créativité qui ressort là, tu vois. Parce que moi, je vais pas m'autoriser, entre guillemets, l'aquarelle, tout ça, parce que pour moi, c'est des trucs où j'ai pas de... Je suis nulle, entre guillemets, ça ressemble à rien. Alors que le jardinage, j'ai pas besoin d'être créatif, tu vois ce que je veux dire. Entre guillemets, il y a à suivre le protocole, et tu vois. Et ça, en fait, pour l'instant, ça me convient. Ouais. Bon, on parlera de créativité dans une autre vidéo, si tu veux. Mais l'aquarelle, pareil, moi, là, j'ai fait un petit cours pour comprendre la matière, hein, parce que c'est important de connaître des bases. Mais en plus, je suis tombée sur une super fille qui dit « Oh, faites-vous confiance !» Je vous donne pas trop de techniques. Ah, oui. Voilà, génial. Et le jardinage, pour moi, c'est quand même très créatif aussi. Parce que tu prends soin de la terre, tu mets en forme hein, pour un joli jardin, il faut avoir quelque chose. Il y a la création de la vie, en fait. Tu plantes pour créer, tu vois, oui, voilà, je suis là-dedans, moi. Un petit peu. Ah oui, quand même. Il y a quelque chose. Mais bon. Voilà. Du coup, je propose aussi un autre outil. Alors, moi, j'utilise beaucoup aussi le parler. J'avais envie de dire que c'était un outil, parler. Parce que de mon propre vécu, globalement, aux yeux des autres, je suis une pipelette. On va résumer ça un peu comme ça. Je parle beaucoup. Et je parle pas autant que ça. Bon, j'ai eu un métier où il y avait vraiment du contact et j'ai été habituée à pouvoir exprimer. Je viens d'une famille où on parle beaucoup. Et vous pourrez demander à mes amis, ça chatte chez moi, ça pleure, ça crie, voilà. Côté italien, je disais. Et moi, c'est vraiment mon canal de communication. Parler, c'est important. Et je trouve parfois, quand on est dans les gens que je croise, hypersensibles, haut potentiel, voilà, atypiques, et c'est parce qu'on nous a éduqués comme ça, attention, hein, il n'y a pas de jugement, on parle pas trop de soi, on n'ose pas trop, on parle pas trop ce qu'on ressent, ben, ça va gêner les autres et tout. Alors que parler de soi... Bien sûr, ça peut bousculer les autres, ça peut les déranger, mais ça peut leur faire du bien. On m'a dit récemment que ça faisait du bien. Et moi, ça me fait du bien de parler. Bien sûr, je parle pas à tout va, je parle toujours avec des gens finalement. Au fur et à mesure du temps, j'ai appris à parler avec des gens qui sont prêts à m'écouter. J'avais mes thérapeutes, puis après dans mes amis, je sais ceux qui m'écoutent ou pas. Mais autorisez-vous à parler, c'est un bel exercice, dire ce que vous ressentez avec authenticité, avec ce que vous pouvez dire, mais de le faire. Moi personnellement, les gens qui me disent, quand je dis tu vas bien, qu'on me dit pas ce que vraiment comment la personne se ressent, il y a une sorte de frustration en moi. C'est comme si elle m'offrait pas la richesse de qui elle est avec ses hauts et ses bas et ses nuances. Dans notre société, pour moi, le ça va, il est trop fade. Alors qu'on n'a pas toujours le temps de étaler sa vie.
Mais parfois, il dit, bah, écoute, aujourd'hui, je me sens moyennement bien, mais en même temps, j'ai de la joie, je suis contente de te voir. Enfin, des choses comme ça. Déjà, si on apprend à faire ça, à mettre de la nuance dans oui, ça va. Voilà. Et ben, c'est un beau travail de d'écoute de soi et de respect de soi. Parce que quand on est comme nous hypersensible, par exemple, on ressent tellement de choses, si on les dit pas, ben, elles restent confinées en nous. Voilà. Ça veut pas dire qu'on doit tout raconter, hein. Moi, j'ai appris à canaliser aussi, parce que j'aurais tendance à mettre tous les détails, toutes les nuances. Il y a des gens qui sont pas prêts, c'est trop dur pour eux d'accueillir tout ça. Ouais. Par contre, j'ai vraiment mis en place, je ne réponds plus, oui, je vais bien. C'était comme une discipline pour moi. Quand on me dit, est-ce que tu vas bien? Comment tu vas? Je dis, bah, écoute, je me sens bien aujourd'hui. Et puis, il y a deux, trois choses qui me contrarient, par exemple. Rien que ça, mettre une nuance. Et ben, vous verrez, ça fait super du bien. Et ça va vous aider à, aussi à alléger des choses. Voilà. Et puis, soyez surpris, ça fait du bien aux autres, en fait. Même s'il y en a que ça les bouscule parce qu'on n'a pas habillé. Bah, socialement, clairement, aujourd'hui, on est encore dans une société où les émotions, parler de soi, il y a quelque chose de très narcissique, et puis on est dans des convenances, hein, on est d'accord. Mais il y a un moment, il faut changer aussi ça. On voit bien qu'on est tous sur les réseaux sociaux, on a quand même envie de communication, on regarde tous des vidéos, on veut plein d'informations, on a envie de partager. Alors, offrons aussi, nous, ces informations, partageons, parlons en direct aussi. Mettons ça en place en direct. Pour moi, c'est important. Et je trouve que c'est un bel exercice vraiment pour le quotidien et pour être bien. Parce que dans le quotidien, c'est le premier outil qu'on a en relation aux autres, c'est de communiquer. Voilà. Donc, moi, j'avais envie de parler de parler. Voilà. Du coup, toi, Aline, est-ce que tu aurais encore un outil à proposer qui te fait du bien dans ton quotidien? Non, je pense que j'ai fait le tour déjà. Moi, je vous ai parlé de différents outils, que ce soit la méditation, le tai chi, les fleurs, le chant, le jardinage, le piano. Voilà, ça, c'est mes outils actuels. J'en découvre d'autres. Après, il faut que je regarde au niveau de ma sensibilité ce que je pourrais apporter pour la suite. Pour l'instant, j'ai fait le tour de ce que j'utilise aujourd'hui au quotidien. Alors moi, je me permets juste d'en rajouter un qui m'est très spécifique. Qui vient de mon schéma professionnel, hein, c'est le miroir. En fait, moi, j'ai appris à vivre avec le miroir pour être en lien avec moi individuellement. Voilà. J'ai commencé à 14 ans, donc maintenant, ça fait 27 ans que je suis face à un miroir tout le temps, hein, en accompagnement, avant en salon. Et aujourd'hui, quand j'accompagne les personnes, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah non, non, j'ai pas de miroir chez moi, mais quelle horreur le miroir et tout ça. » en fait, le miroir, pour moi, il a été l'outil, alors bien sûr, au départ, de jugement, hein, « T'es belle, t'es pas belle » et tout ça, mais il a été aussi l'outil à me regarder et dire qu'est-ce que je ressens. Et le fait de m'approprier le miroir comme un outil positif et pas un truc où je suis obligée de me regarder, c'est chiant, je suis moche et voilà. Franchement, ça paraît bizarre, hein, dire tiens, me regarder dans le miroir, ça m'apporte du confort tous les jours. Ben, en tout cas, moi, ça m'a fait grandir sur ma relation à moi-même et à me dire avec franchise, tiens, aujourd'hui, je me trouve pas belle. Ok, mais c'est tout, cherchez pas. Ah ben aujourd'hui je me trouve belle. Et en fait quand je me disais ah ben aujourd'hui oh, ouais je me trouve belle, ben je parlais pas que de mon physique, je parle de quand on dit à son cerveau tous les jours, ah ben tous les jours, j'exagère, pardon. au moins deux fois par semaine, je suis belle. Puis après petit à petit je suis belle, je suis beau, je suis belle, je suis hein, ce que vous voulez. Ah tiens je me sens bien, ah tiens ça va bien ce vêtement. Et ben notre cerveau il intègre ce message, et sur tous les plans, lui, il fait pas la différence entre l'aspect physique et l'aspect intérieur, en fait. Et voilà, j'en fais pas des grandes lignes, mais j'avais envie d'en parler. Pour moi, il m'accompagne dans ma vie personnelle. Il est aussi mon outil de base aussi en thérapie pour accompagner les gens. Je crois qu'il est important dans l'individualisation et pour les gens aujourd'hui qui prennent conscience qu'ils sont uniques aussi. Donc, j'avais envie de partager. Quand on est atypique, c'est un bel outil aussi pour observer toutes nos différences, que par nature, on est différent de toute façon. Donc voilà, j'avais à cœur de mettre le miroir comme un outil de bien-être pour son quotidien. Ne l'oubliez pas, c'est important. Et les enfants, ils adorent en plus le miroir. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, voilà, oui. Les enfants,
Bon, alors, pour, là, je peux vous en parler pendant deux heures, donc j'arrête. Mais les enfants viennent, c'est une façon de définir sa corporalité, hein, le miroir. S'il n'y a pas de miroir, on ne se voit pas. Dans les cultures où il n'y a pas tous ces supports modernes, le miroir et tout ça, quand on fait une photo, ils ont peur parce qu'ils se voient en photo, parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes, ils ne se connaissent pas physiquement, en fait. Quand ils se découvrent dans... Voilà, c'est ça, il faut s'en rendre compte. Et c'est un outil d'introspection et de reconnaissance de soi important. Donc, je trouve qu'avoir cet outil au quotidien, l'utiliser, savoir se regarder, peu importe le jugement qu'on met dessus, juste accueillir, juste voir qu'on est là, c'est un bel outil, moi, je trouve. Voilà. Donc, j'avais envie de partager avec vous. Sur ce, je crois qu'on arrive un peu au bout. On vous a offert déjà pas mal d'outils, hein. Le temps que vous les découvriez puis que vous les pratiquiez, vous avez une bonne année devant vous, là. Ah oui, il faut au moins ça. Et j'ai Laetitia qui pose une petite question. Alors, perso, j'avoue, j'ai peur que quelqu'un tombe dessus. Donc, je pense que Laetitia parle du fait du carnet. Alors, c'est sûr. En même temps, moi, je dis juste par rapport au positionnement, hein. Si quelqu'un ne respecte pas, tombe dessus, voit ce qu'il y a dedans, c'est que déjà, il devait lire ou elle devait lire ce qu'il y avait dedans. Il y avait peut-être un message inconscient qui devait être, voilà. Et si la personne, elle ne sait pas respecter ça, je ne vois pas pourquoi la personne ne respecterait pas le fait de ne pas lire notre carnet. Parce que globalement, s'il n'y avait pas de carnet, les gens ne savent pas tout ce qu'on a en nous. Hein. Donc, c'est un peu pareil. Donc, c'est un peu du positionnement, dire à l'autre, ça, c'est très, très important pour moi, quoi. Et si la personne ne respecte pas, dire « Attends, tu ne me respectes pas alors ?» Mais bon, pour moi, c'est mon côté très affirmé. Donc, à chacun de voir ce qui est possible ou pas. Voilà. Ou après, il faut le cacher, se faire une boîte. Ça peut être informatique aussi. Ouais, pour là, faire un fichier, ben ouais. Oui. Ça, tu t'enregistres aussi, ça peut être oral. Dans le sens, tu peux avoir différents supports pour t'exprimer. C'est ça. Pour moi, là, c'est la notion de respect où quelqu'un tombe dessus. Quand je lis le message, la question, en tout cas. Après, il peut y avoir un coffre avec une clé et tu fermes dedans. Ah oui, ma maman avait lu le mien quand j'étais plus jeune. Voilà. Ah bah oui. Et ben voilà. Les parents qui lisent le carnet de leurs enfants, à réfléchir. Parce que si vraiment on sent que notre enfant a une problématique, autant lui en parler qu'aller fouiller sans lui demander, voilà. Mais voilà, ouais, c'était pour ça, Laetitia. Ça laisse des traces, d'ailleurs, la preuve. Tout à fait. Et du coup, elle pose aussi la question, je cherche souvent compliqué dans les outils et je me rends compte que j'avais déjà certaines clés. Et plus je vieillis, plus je suis sensible à la musique classique, je sens que ça remue dans mon corps. Ça, c'est clair. Comme je disais un peu tout à l'heure, et tu diras, Adeline, ce que tu en penses, moi, aujourd'hui, tous les outils de la vie, même manger, même marcher, même faire ses courses, même parler avec la caissière, c'est un travail d'introspection. C'est un travail de bien-être. Comment je suis, moi, au monde avec les autres? Comment je vis? Et après, suivant notre sensibilité, il y a des gens qui vont peindre, il y a des gens qui vont faire de la musique, il y a des gens qui vont faire, je sais pas. Enfin, moi, je suis convaincue que le cuisinier comme les boueurs, s'ils font leur travail avec leur cœur, derrière, il y a un chemin d'introspection pour eux. Ils offrent quelque chose. Enfin, je le vois dans ce sens-là. Donc, toute activité extérieure nous ramène à soi quand on dit « Mais comment je le vis, ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que ça me dit quand je fais ça ?» Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, voilà, c'est là où je rejoins la pleine conscience, quand on parle de pleine conscience. Manger, parler avec les autres, faire des vidéos. Franchement, Adeline, enfin pour moi, faire des lives sur Facebook en duo, ça nous a ramené à qu'est-ce qu'on a envie. On a discuté de qu'est-ce qu'on veut offrir aux gens. Donc ça ramène à moi tout le temps. Et c'est au quotidien. En même temps, je nourris mon besoin de créativité, de partage. Voilà. Donc tous les outils sont des outils qui peuvent nous aider à nous ramener à soi, à nous trouver ce qui est le nôtre, celui qui nous plaît. C'est ça. Et si on et des fois pour la musique classique. Je vais rebondir sur ce que disait Laetitia. J'ai grandi avec beaucoup de musique classique chez moi. Mon père était un mélomane et un musicien. Donc, c'est vrai que la musique classique, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais ça reste la musique qui me touche le plus. Déjà parce qu'il y a une espèce d'unité. Et forcément, quand un orchestre doit jouer ensemble, il faut qu'il y ait une harmonie. Et on parle d'orchestre philharmonique, c'est pas un hasard. Et cette espèce d'unité
pure, mais qui amène une émotion, parce que vraiment, là, derrière la musique, chaque musicien met un peu de son âme quelque part, tu vois. Le chef d'orchestre aussi est là pour unifier tout ça. Et c'est vraiment la musique qui me parle le plus. Parce que souvent, c'est vraiment très fort. Je peux écouter une chanson, par exemple, avec des paroles qui me parlent. Ça me fera pleurer, mais ça ne me fera pas les frissons que vont m'amener vraiment la musique classique. Cette espèce d'unité de l'orchestre, je dis l'âme de chaque instrument, c'est vraiment quelque chose qui me transcende. Donc ça, c'est quelque chose qui va me toucher plus que le reste. Donc j'entends que la musique classique, c'est vrai que tout le monde n'aime pas. Hein. C'est une certaine sensibilité aussi. Puis le fait d'avoir été éduqué avec de la musique classique, je pense qu'il y a une histoire d'oreille quelque part. Tu sais, c'est comme quand il y a des choses que tu n'as pas mangées petit. Des fois, adulte, c'est difficile de les manger. Bah là, c'est un peu pareil pour la musique. Si t'es pas habitué à une forme de musique, je pense au jazz, par exemple, justement, on n'en écoutait pas. C'est quelque chose qui ne parle pas. Pourtant, c'est aussi sympa le jazz, tu vois. Oui, et puis moi, j'ai mon amie qui est prof de piano. J'ai une amie prof de piano qui me disait, en fait, chaque personne a son instrument. Donc, j'en suis sûre, là, je vais aller dans le décodage. Et inconsciemment, un instrument crée une vibration qui va parler à une partie de notre être. On sait que la vibration, elle nous traverse, en fait. Donc, je pense que, ouais, il n'y a pas de hasard, faut choisir. Moi, par exemple, je suis pas du tout touchée par la musique. J'aime les instruments, mais la musique classique, pas spécialement, que le piano, que un musicien, en fait, qu'une musicienne, je sais pas pourquoi. Mais par contre, il y a un instrument, le hang. Le jour où j'ai découvert cet instrument, mais une pure merveille, quoi. Je peux plus le lâcher. Donc voilà. Faites-vous confiance. Moi, je pense que si les outils qu'on utilise nous permettent de nous sentir bien au quotidien, et de nous comprendre au quotidien. En fait. Donc la musique, peu importe. Il y a des gens qui vont avoir du plaisir à faire du sport ou de la boxe. Et dans ça, moi j'ai un ami qui fait de la boxe, et moi ça me défoule, et c'est là où je découvre plein de choses de moi. Parce que ça répond à son besoin, à ce moment-là, ou dans son histoire personnelle. Nous trouvons aussi des outils, je veux dire, la chance de notre génération par rapport à nos parents, par exemple, moi je vois mes parents, ils n'avaient pas ce panel-là. D'outils, d'accès en plus à plein de choses. Hein, on restait un peu. Donc profitons, moi je trouve que ça c'est important. Nous, on vous a offert quelques idées pour, et puis pour vous offrir le fait que ça peut aider dans notre quotidien d'avoir des activités et de découvrir des choses, mais il y a aussi plein de possibles. Quoi. Et justement, se servir de ces outils-là aussi pour. Justement, si on se découvre une sensibilité par exemple à la musique classique, je sais que si je sens que j'ai besoin d'évacuer, par exemple, ça peut être des larmes ou de la colère ou une émotion qui est coincée et que j'ai besoin. Je sais que, par exemple, la musique classique, notamment des chants d'opéra, c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment me déclencher peut-être des larmes. Voilà. Ça peut être un élément déclenchant pour arriver à ouvrir les vannes, en fait. N'hésitez pas à essayer d'aller aussi là-dedans parce que c'est des outils qui peuvent permettre de sortir des choses et faire du nettoyage émotionnel. Et voilà, quand on les a trouvés, et on a chacun les nôtres propres. Que ce soit le parler, hein. Tu disais aussi souvent quand on parle avec des gens, bah, ça peut faire monter aussi les larmes, mais moi je me suis souvent servi de la musique pour évacuer des choses que j'arrivais pas à faire sortir. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui beaucoup d'outils qui paraissent classiques du quotidien viennent des outils thérapeutiques. Ouais, tu vois, l'art-thérapie au départ, c'est bien, mais c'est devenu de l'art-thérapie, la musicothérapie, ça existe la musicothérapie. Aujourd'hui, et à l'inverse, j'ai une idée qui m'est passée par la tête, mais elle est partie. Voilà. J'allais dire un truc, c'est parti. Mais... c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, il y a plein d'outils qui, du quotidien, aujourd'hui, deviennent des outils, le câlin. Hein, aujourd'hui, alors ça, c'est le truc. Ça, c'est mon cheval de bataille pour l'avenir. Ça, c'est, aujourd'hui, une société, on se touche presque pas, sauf si on va se faire masser, sauf si on va chez un thérapeute. Mais si déjà, on s'autorise au quotidien de se faire des câlins, vous verriez comment on se sent bien. Est-ce que ça fait remonter? Ah, émotionnellement, rien que se toucher, moi je fais beaucoup de toucher hein, parce que je suis coiffeuse, mais je fais des soins aussi où je touche les gens, mais vraiment avec une conscience particulière. Et les gens, ça les fait remonter juste des larmes d'avoir la conscience. Et on le sait que chez les enfants, de toucher, ça nourrit des choses. Enfin, moi, mes enfants m'ont apporté beaucoup de prise de conscience parce que j'ai étudié beaucoup les neurosciences grâce à travers leur éducation. Et j'ai fait le lien enfant-adulte et nos manques à nous. Et ce qu'eux, ils ont, en fait, et qu'on nourrit aujourd'hui, et qu'on sait qu'ils ont besoin pour se développer pleinement, en fait. Donc, tous ces outils-là, tout est un moyen d'être bien, de se comprendre et tout ça. Moi, je regroupe tout aujourd'hui. Et c'est sûr, t'as vraiment raison. Faites-vous plaisir. Bon, en tout cas, je pense que, merci, Evelyne. C'était super. Déjà, comme autrefois. Merci, Stéphanie. C'était top. Ouais. Merci à vous de votre présence. Pour ceux qui regarderont en différé,
Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à poser des questions encore. On prendra le temps avec Adeline de vous répondre, si on peut, bien sûr, si on a des réponses pour vous, qui vous aident. Et puis, on se retrouve du coup samedi prochain. Hein, Adeline, on est d'accord pour ça, pour le prochain? On est d'accord pour samedi prochain. On va dans la continuité. Ce sera, alors, on n'a pas défini encore un titre, mais on va vous parler de la relation, comment relier le corps et l'esprit, sortir de cette coupure finalement qu'aujourd'hui on vit beaucoup. On peut souvent séparer le mental du corps, du ressenti. Et nous, on a envie de vous parler, vous donner des outils et puis d'échanger sur ce thème parce que je pense que ça, c'est très important. Voilà. Donc, on se retrouve samedi prochain. Ça, c'est sûr. Hein, reconnectons le mental et le corps. Voilà. Et on en parlera samedi prochain à la même heure sur ma page. Sur la page d'Adeline. Et puis, Laetitia, merci à vous, les filles. Merci à toi, Laetitia, pour tes questions et ta présence. Et la semaine prochaine. Adeline, je te fais un bisou de loin et à tout le monde aussi de loin. À bientôt. Bisous. Salut. Salut.